Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Petit deviendra grand. Alors, une émission qui est consacrée à la parentalité, à la petite enfance, à l'éducation. Et pour en parler, on va en parler sans tabou ce soir avec mon amie Laurie Gozlan. Salut Laurie. Salut Isa. Je suis trop contente d'être là encore aussi, avec toi sur nos beaux fauteuils. Ravie que tu sois là. Laurie, alors on va le rappeler pour nos téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Laurie, toi, tu es fondatrice de la marque Petit deviendra grand. Tu es aussi auteur jeunesse, tu écris des livres pour enfants personnalisés et interactifs et tu es aussi maman de 3 enfants et Exactement. Tu es passionnée d'éducation. Exactement. Alors Laurie, ce soir on va parler d'autorité et on va tenter de répondre à une question, le sujet du jour, faut-il un parent plus sévère que l'autre ? Exactement Isabelle. Donc on va aborder la question de l'autorité aujourd'hui. C'est quand même une question qui est assez fondamentale, que tous les parents se posent à un moment donné. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? L'autorité, c'est une question vaste et c'est une question qui a beaucoup évolué en fonction des mœurs, en fonction des sociétés. Elle évolue encore en fonction aussi des pays. On est passé du père fouettard à l'éducation bienveillante. Il y a des normes protectrices de l'enfant qui se sont multipliées. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était quand même les coups qui étaient de rigueur. Tout ça pour dire que voilà, en matière d'éducation, beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses seront encore faites, d'autant plus que la science commence à apporter son grain de sel. On s'intéresse de plus en plus au cerveau de l'enfant et aux conséquences de telle ou telle éducation sur le cerveau des petits. Et donc en matière d'autorité, il y a une chose qui a existé et qui existe encore, c'est la formule du bon flic et du mauvais flic, c'est-à-dire le fait d'avoir un parent qui soit vraiment beaucoup plus sévère que l'autre à la maison, donc d'avoir un parent qui soit vraiment le détenteur de l'autorité, alors que l'autre parent va plutôt être dans la souplesse, dans la bienveillance, dans la discussion. Et donc à travers cette formule-là, on va essayer de répondre justement à cette question, est-ce qu'il faut un parent plus sévère que l'autre ? Alors, comment on va tomber dans ce schéma du bon flic et du mauvais flic, là, comme tu dis ? Est-ce que c'est quelque chose qui va être naturel ou ça va être une volonté de la part des parents qui va décider qui sera gentil et qui sera le méchant ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, concrètement, il y a 3 possibilités. Soit ça va être... ça va être à travers les mœurs de la société. Donc en fait, les parents vont le faire, mais sans réellement s'en rendre compte. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le papa qui était plutôt connu comme être le détenteur de l'autorité. D'ailleurs, la maman appelait le papa à la rescousse quand elle n'arrivait pas à se faire obéir de ses enfants et elle menaçait les enfants. Attention, si tu finis pas ton assiette, je vais appeler papa. Et la maman, elle était plutôt la maman maternante. Voilà. C'était, disons, l'image qu'on en avait. Il y a eu la montée du féminisme. Ça a aussi changé pas mal ces images-là. On a vu apparaître des papapoules, pour le plus grand bonheur de tous. Des mamans qui sont... aller travailler et qui donc était peut-être un peu moins présente à la maison, donc il y avait un rapport à l'autorité peut-être un peu différent. Donc voilà, tout ça pour dire que finalement, on peut mettre en place cette éducation à la maison avec un parent qui va être plus autoritaire que l'autre, juste parce qu'en fait c'est un fait sociétal, que c'est comme ça et on s'en rend même pas compte en réalité. Le deuxième cas de figure, c'est quand on a un parent qui va avoir une appétence plus d'un côté ou plus de l'autre, c'est-à-dire que par son caractère, il va être soit beaucoup plus autoritaire, soit beaucoup plus souple. Je vois par exemple le cas de parents qui ont peur de faire preuve d'autorité face à leurs enfants. Donc si on est dans ce cas, il faut se reconnaître et se faire aider. On peut avoir peur de faire preuve d'autorité parce qu'on a peur d'être moins aimé de nos enfants. Et dans ce cas-là, ça va pousser le deuxième parent à compenser. Et du coup, c'est lui qui va devenir le méchant. Le méchant parent, entre guillemets. On va avoir aussi le cas du parent qui va beaucoup travailler et qui, du coup, lorsqu'il va rentrer à la maison, il a pas envie de passer son temps à éduquer ses enfants, le peu de temps qu'il passe avec eux, et à leur crier dessus et à imposer des règles, etc. Donc, du coup, il va laisser ça à l'autre parent qui, du coup, va se retrouver, malgré lui, dans le rôle du méchant parent, du méchant flic. Et le troisième cas de figure, qui est un petit peu plus rare, mais qui existe quand même, c'est le cas où, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, les parents l'ont décidé ensemble, en fait, d'un commun accord. Ils ont dit, voilà, on va créer un équilibre à la maison. Il faut un petit équilibre entre autorité et souplesse. Donc toi,
T'es bon pour ça, c'est toi qui vas faire l'autorité, qui va faire le méchant, et moi je vais faire le gentil. Et comme ça, les enfants, ils auront quelqu'un à qui se confier et quelqu'un qui craindront. Voilà, donc ils espèrent comme ça aboutir à une sorte d'équilibre. Ouais, mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, du coup? Bah, est-ce que c'est une bonne chose que l'un soit sévère et l'autre soit cool, enfin, pas sévère? Alors, bah, c'est comme dans tout, il y a du bon, il y a du mauvais. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'avoir au sein du foyer cet équilibre entre autorité et souplesse. Ce qui, par contre, est beaucoup, beaucoup moins bien, à mon sens, c'est que cette répartition soit de façon binaire, qu'on en ait un qui soit gentil et l'autre qui soit méchant. Mais du coup, pourquoi c'est pas bon, alors, cette répartition binaire? Parce que finalement, ça peut sembler logique. Pourquoi? Parce qu'il y a un parent qui a plus de facilité avec l'autorité, l'autre beaucoup moins. Donc, pourquoi finalement pas respecter son penchant naturel? Oui, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il arrive qu'il y ait des gens qui ont une appétence plus d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas de problème, en fait, avec ça et à respecter les penchants naturels. De toute façon, on n'a pas le choix que de respecter nos penchants naturels. Le problème avec ça, c'est lorsque ça va être exclusivement l'un ou exclusivement l'autre. Si y en a un qui est exclusivement autoritaire et l'autre qui est exclusivement cool, là, il y a un réel déséquilibre qui se crée, en fin de compte. Alors, c'est ça. Alors, c'est où le problème? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences, justement, à cette répartition binaire? Alors oui, il va y avoir des conséquences parce que justement, ça va déséquilibrer non seulement la relation de parent à enfant, mais également la relation de couple. Ah, ça va aussi poser un problème pour le couple. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça va toucher au couple. Parce que finalement, les deux parents seront toujours dans une opposition, ils ne seront jamais dans le même clan, et à force de se contredire comme ça et d'être jamais en phase, ils vont finir par s'éloigner. Donc, du coup, on va se retrouver en pratique, finalement, avec deux clans. On va avoir le clan du méchant parent, qui va, lui, essayer tant bien que mal de faire respecter des règles, etc. Et on va avoir le clan du gentil parent avec les enfants. Et ils vont, ce clan-là va être contre ce clan-là. Et donc, du coup, ça va forcément poser un problème d'équilibre, même de justice, j'ai envie de dire. Donc, quels sont les problèmes que ça va poser? D'abord, on va avoir le parent méchant, entre guillemets, qui va se sentir pas soutenu. Il ne va pas se sentir soutenu par la personne qui est censée être son partenaire, quand même. Donc, ça pose un problème. Après, entre eux, oui, ça... Exactement, ouais. Il va également se sentir moins aimé de ses enfants. Il peut même développer une jalousie vis-à-vis de l'autre parent, parce que lui, finalement, il est tellement occupé à faire régner l'ordre dans cette maison qu'il n'a pas le temps, une seconde, de créer des liens de connivence avec ses enfants. Le parent gentil, lui, finalement, peut ne pas se sentir respecté parce qu'il n'arrive pas à faire preuve d'autorité. Et puis, il peut, encore une fois, y avoir une jalousie des parents entre eux parce qu'il y en a un qui est suffisamment qui est trop autoritaire, etc. Bon, voilà, il peut y avoir une jalousie des parents entre eux. Et puis, il peut y avoir surtout un manque de respect mutuel parce qu'on ne respecte ni une personne trop gentille, ni une personne trop méchante. Donc, ça va créer un vrai déséquilibre dans le couple. Et du coup, comme tu disais, quelles sont les conséquences pour les relations parents et enfants? Alors, on va se mettre dans une situation de famille. Voilà, admettons, on a dit que nos enfants devaient aller se coucher à 8h30. C'est la règle. D'accord, c'est la règle. Et ce soir, on est devant la télé, on regarde l'émission Petit deviendra grand. Et les enfants veulent voir l'émission jusqu'au bout. À 8h25, celui qui est le méchant parent arrive et dit « Hop, 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 8h25, dans 5 minutes, les enfants, hop, on va dormir. » Ok, ok. Puis finalement, arrive 8h30. Et là, on a le gentil parent qui va dire « Bon, non, bah écoute, c'est bon. Écoute, on va les laisser encore 10 minutes. C'est pas très grave. Au pire, demain, ils se lèveront un peu plus tard. Et puis, ils prendront pas de petit déjeuner. C'est pas très grave. Ils iront à l'école comme ça. » Bon. Je caricature un peu, voilà. C'est vrai. Mais ça arrive. Mais voilà. Oui, on se trouve tous dans cette situation à un moment donné. On se contredit tous à un moment donné avec son conjoint. Alors je précise, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas grave, ne paniquez pas, c'est pas grave du tout. Ce qui va être grave et embêtant, c'est la systématisation de ce schéma, la répétition de ce schéma. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va envoyer des messages subliminaux à l'enfant à force de se contredire devant lui. Donc, quels vont être ces messages subliminaux? Le premier message subliminal qu'on lui envoie, et qui n'est pas des moindres, c'est que le méchant parent ne mérite pas de respect, puisque même le gentil parent ne le respecte pas. Donc ça, c'est assez embêtant pour le méchant parent. L'autre message, qui n'est aussi pas des moindres, pour en faire des adultes civilisés, c'est que les règles n'ont pas de valeur.
C'est-à-dire que si on donne une règle, je ne vois pas pourquoi on l'appliquerait, puisque de toute façon, il y a toujours le gentil parent qui va venir pouvoir la faire plier, en fait. Donc du coup, si on pousse un petit peu ce raisonnement-là, qu'est-ce qui va se passer ? Les règles, finalement, de la famille est un petit microcosme de la société, donc les règles sont l'équivalent des lois dans la société, donc ça voudrait peut-être dire qu'une loi n'a pas de valeur. Et là, ça devient plus grave. Ça veut aussi dire que les actes n'ont pas de conséquences. Si on ne se fait pas prendre par le méchant parent, pas de conséquences. Donc, on peut faire ce qu'on veut, en réalité. Plus tard, qu'est-ce que ça peut donner ? La loi, c'est quoi ? C'est de ne pas voler. Mais après tout, si tu voles et que tu ne te fais pas prendre, hein, pas vu, pas pris, c'est pas grave. Du coup, c'est carrément dramatique. Là, ça fait même peur. Ça, on ne se rend pas compte vraiment des conséquences. Encore une fois, ce qui est dramatique, c'est la systématisation. S'il arrive une fois à papa de dire blanc et à maman de dire noir, même une fois par semaine, j'ai envie de dire que ce n'est pas la fin du monde. Ce qui est embêtant, c'est quand vraiment, ils sentent qu'il y a une espèce de systématisation de ça et que du coup, il n'y a pas de règle, en fait. Il y a une autre conséquence dont je voudrais parler. Il faut comprendre quand même que cette formule du bon flic et du mauvais flic, c'est quand même une formule qui est une technique de manipulation, de manipulation psychologique qui est utilisée par les services de police lors d'interrogatoires de police, donc contre l'accusé. Le but, c'est quoi pour la police ? C'est de faire pencher l'accusé d'un côté ou de l'autre. Mais pourquoi ? Comment ça se passe concrètement ? C'est parce qu'on se dit, l'accusé, il va faire confiance à un des deux flics et il va craindre l'autre flic. Et par ce mélange de confiance et de crainte, il va finir par nous donner ce qu'on veut. Donc on commence à comprendre pourquoi c'est totalement contre-intuitif d'appliquer ça en éducation. Parce que c'est quoi le but de l'éducation, en fin de compte ? Pourquoi on éduque nos enfants ? On les éduque pour eux, on les éduque pour qu'ils deviennent de bons adultes, pour qu'ils apprennent à être heureux, pour qu'ils apprennent à se réaliser, à vivre en société, à respecter les autres, à se respecter eux-mêmes. On les éduque pas pour obtenir des choses d'eux. Donc c'est tout à fait contraire en fait à ce que recherche le flic avec l'accusé. C'est tout à fait l'inverse. D'ailleurs, en tant que parents, nous ce qu'on cherche c'est à élever nos enfants. Et c'est un terme que je préfère à éduquer, parce que élever au sens de porter plus haut. Donc on voit bien à quel point cette technique de manipulation psychologique, elle contredit tout ça. D'ailleurs, tiens, on ne va plus dire « petit deviendra grand », une émission consacrée à l'éducation, mais consacrée à l'élévation. Ça peut être pas mal. On invente un nouveau mot. Donc du coup, Laurie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que tu nous dis qu'il faut un équilibre entre l'autorité et la souplesse, mais que ça ne doit pas être réparti de façon binaire. Donc comment on trouve cet équilibre ? Alors, ce qui va compter, c'est la règle. Il faut savoir que les enfants, ils ont besoin de deux choses pour être rassurés. Ils ont besoin de clarté et de prévisibilité. Alors, on peut schématiser comme ça. Si les parents ne sont pas d'accord au préalable sur la règle, du coup, il y aura une absence de clarté de cette règle. Si cette règle n'est pas claire, elle n'est pas prévisible. Et si elle n'est pas prévisible, ça crée de l'anxiété chez l'enfant. Donc en fait, c'est ce désaccord entre les parents qui va créer cette non-clarté de la règle et donc cette anxiété à terme. Donc en fait, c'est la règle qui compte. Oui, donc peu importe en fait qui est méchant, qui est gentil, c'est que la règle soit claire, en fait, quel que soit le parent. En fait. Que la règle soit appliquée. Soit appliquée plutôt, oui. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et ça peut paraître d'ailleurs un petit peu strict de dire ça comme ça, mais en réalité, c'est le plus grand service qu'on puisse donner à nos enfants, de leur offrir des règles. Pour les parents qui en doutent, le monde est trop vaste. Vous pouvez imaginer ça comme par exemple, si vous alliez au restaurant et qu'on ne vous donne pas de menu et qu'on vous dise tu peux avoir tout ce que tu veux. D'un seul coup, c'est très difficile de choisir. Alors voilà, pour les enfants, c'est la même chose. Ils sont dans un monde qui est très vaste et la seule chose qu'ils demandent pour être rassurés, c'est d'être cadrés. D'ailleurs, un enfant qui ne reçoit pas de règles de la part de ses parents, il pourrait même finir par lui en vouloir parce qu'il ne se sentira pas sécurisé. Donc il ne faut pas se dire « oui, mais si je mets trop de règles, etc. » Non, tout dépend de l'intelligence avec laquelle les règles sont amenées et tout dépend évidemment du bien fondé de ces règles. On ne dit pas de mettre des règles à tout bout de champ, mais qu'il y ait des choses claires quand même. Mais est-ce que ça veut dire que quand on a posé une règle, est-ce qu'on ne peut plus la changer alors ? Alors ça, c'est une très bonne question. Ça ne veut pas du tout dire ça, en fait. Justement, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas dans quelque chose de strict, on est dans quelque chose de souple et d'intelligent. On peut changer la règle, mais il faut que ce soit cohérent. L'important, ça va toujours être la cohérence. Donc si, par exemple, la règle était
dans notre exemple de tout à l'heure, on se couche à 8h30. Si ce soir, on a le droit de se coucher à 9h30, il va falloir expliquer aux enfants pourquoi. Pourquoi on a changé la règle ce jour-là, exceptionnellement. Oui. Peut-être parce que c'est l'anniversaire d'un d'entre nous et du coup, on a envie de passer plus de temps ensemble. Donc, exceptionnellement, ce soir, si vous vous couchez plus tard, il n'y a pas de problème. Et du coup, les enfants, ils sont au clair sur la règle et sur les raisons pour lesquelles on applique cette règle. Et d'ailleurs, j'ajoute même que c'est important parce que ça leur donne un esprit critique. C'est-à-dire que le fait de leur expliquer les règles et le pourquoi du comment, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent les négocier, parce qu'ils sont peut-être trop jeunes encore, mais par contre, ils peuvent les comprendre et les intellectualiser. Et du coup, plus tard, ça peut même leur éviter de tomber dans ce qu'on appelle la mécanique des sectes, où on nous dit « pose ta main là et ne cherche pas à comprendre pourquoi ». Et en fait, c'est le premier pas vers la secte, parce que ça va engendrer plein d'autres actes où on va nous demander de ne pas comprendre pourquoi. Or là, on explique aux enfants pourquoi. Et on leur dit que les choses doivent avoir une cohérence. Ouais, ouais. Alors, donc, qu'est-ce qui va créer cet équilibre entre autorité et souplesse dont on parlait tout à l'heure, si elle n'est pas dispatchée entre les parents ? Bah, ce qui crée l'équilibre, donc déjà c'est la clarté de la règle, oui, et en fait l'équilibre entre autorité et souplesse au sein du couple, finalement elle va se faire dans chacun des membres du couple, dans chacun des parents. C'est-à-dire que le père va avoir en lui un peu d'autorité, un peu de souplesse, et la mère va avoir en elle un peu d'autorité et un peu de souplesse, et j'ai envie de dire, c'est naturel, les êtres humains sont nuancés. Donc si à un moment donné on ressent qu'en soi on n'a pas cette nuance, c'est quand même le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Mais tu vois, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as un peu évoqué au départ, mais bon, parce que je vois ça autour de moi et on en voit. Il y a quand même des parents qui ont vraiment du mal avec l'autorité. Mmh. Ils ont un vrai problème avec ça. Qui confondent autorité et sévérité aussi. Voilà. Alors, quel conseil tu pourrais donner à ces parents qui n'arrivent pas, donc pour avoir cet équilibre toujours. Je pense que c'est souvent le cas de parents qui ont peur de ne pas être aimés de leur enfant s'ils font preuve d'autorité. Or, ces parents-là, il faut qu'ils comprennent que le problème, il vient d'eux, que le problème a probablement une source antérieure et qu'il faut donc aller chercher cette source parce que ce n'est pas rendre service à leur enfant. C'est priver leur enfant de sécurité, finalement. Parce qu'eux, finalement, manquent de sécurité. Ouais. Parce que de penser qu'on ne va pas être aimé parce qu'on fait preuve d'autorité, c'est un manque clair de sécurité. Donc il faut y chercher quand même. Donc il faut aller chercher de l'aide. Il y a des psychiatres, il y a des psychologues qui sont spécialisés dans la question. Et il ne faut pas hésiter, je pense, à aller fouiller là-dedans et à aller chercher pour pouvoir trouver un juste équilibre en soi qui va nous permettre de transmettre un juste équilibre à nos enfants. Bon, alors, et une autre question. Il y a des parents qui divorcent, qui sont en guerre, comment on arrive encore à garder cet esprit d'équipe que tu disais pour les enfants ? C'est important de parler de ce cas-là. Je pense que ce qu'on évoque ici, il faut bien comprendre que ce sont des règles, c'est un idéal. Évidemment, quand bien même on ne serait pas divorcé, quand bien même on ne serait pas en guerre, on n'arrivera jamais à atteindre complètement cet idéal. Le but, c'est de savoir juste qu'il existe et qu'on essaye toute notre vie, en fait, de tendre vers lui. Donc, effectivement, je pense que quand on est dans une situation de divorce ou de guerre, effectivement, ça complique les choses. Mais j'en connais, il y a des couples qui arrivent à se débrouiller avec ça, qui arrivent à garder cet accord, j'ai envie de dire, sur la question d'éducation. Et du coup, ça ne pose pas spécialement de problème aux enfants. Ils savent que chez papa, ça va être comme ça, que chez maman, ça va être comme ça. Et finalement, la règle est claire. Et il n'y a pas de problème. Ce qui pose par contre souvent des problèmes, et ça fait de la peine en fin de compte, c'est le cas de parents qui restent ensemble pour les enfants. Ah et ouais. Ça fait de la peine pour tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, si ces parents-là n'arrivent pas à faire fi de leurs différends et finalement sont constamment en guerre à la maison devant leurs enfants, parce qu'en fait, ils ne veulent plus être ensemble, là, c'est là qu'on crée une réelle incohérence et c'est là qu'on va créer un vrai déséquilibre pour l'enfant. Alors que si finalement, ils se séparent et que l'enfant sait que d'un côté, ce sera comme ci, de l'autre côté, ce sera comme ça, finalement, ce sera plus clair, ce sera plus apaisé et la règle sera beaucoup mieux. Bon, de toute façon, déjà, on peut dire, de toute façon, pour ces parents qui divorcent, eh bien, c'est presque un esprit d'équipe, finalement, ouais. De se séparer pour le bien de leurs enfants. Quand on n'arrive plus, effectivement, à maintenir un accord... Oui, je pense qu'il vaut mieux se séparer. Ouais, ils trouvent...
Bon ben merci Laurie, voilà, j'espère qu'on a répondu hein, à cette question. Faut-il un parent plus sévère que l'autre ouais. La réponse est non. La réponse est non. Il faut être les deux, il faut être en harmonie, il faut surtout avoir donc cet esprit d'équipe hein, entre les parents. Et merci Laurie, merci à vous de nous écouter, toujours de plus en plus nombreux. Et puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, hein, bien sûr sur notre page Facebook hein, quand l'émission se trouve sur les réseaux. N'hésitez pas à taguer peut-être celui qui est votre partenaire et avec qui vous formez une bonne équipe. Hein, taguez-le. Si vous ne regardez pas sur la chaîne Tandem, mais sur les réseaux. Voilà, si vous les regardez quand vous regardez sur le réseau. Et puis de le taguer, de le remercier, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi de nous laisser des commentaires et puis nous dire quel sujet vous voudriez qu'on aborde avec Laurie. Et puis, voilà, ben j'espère vous retrouver très vite et puis surtout n'oubliez pas de nous regarder pour que vos petits deviennent grands. Salut Laurie, salut à bientôt, Lisa. Bye.